Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Pimondou. En fait, la vidéo d'aujourd'hui m'a été demandée pour faire un review sur ces sérums Pimondou. Donc, voilà. Donc, je vais faire. Mes amis, je vais vous dire tout ce que les autres ne vous disent pas par rapport à Pimondou. Pimondou, c'est un sérum de traitement. C'est à être utilisé à courte durée. Ce n'est pas un truc que vous pouvez prendre pour dire que non, c'est mon sérum, je le mets dans ma crème et puis je vais l'utiliser pendant des années. Vous allez détruire votre peau. Pimondou, il faut juste l'utiliser quand vous en avez vraiment besoin. Quand vous en avez vraiment besoin. La preuve est que non. Quand vous utilisez Pimondou pendant une longue durée, ça arrive à un moment donné que ça ne va plus marcher. Je vous dis la vérité. Si vous utilisez Pimondou pendant longtemps, à un moment donné, vous allez commencer à le verser dans votre crème et vous allez voir que c'est comme si vous avez acheté le faux. Peut-être que vous n'avez pas acheté le faux. J'ai une vidéo comment reconnaître le vrai et le faux Pimondou. Je vous mets le lien juste en bas et puis je vais aussi mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller regarder, je vais donner tous les détails de comment, je vais donner 8 à 10 manières comment détecter un faux Pimondou. Alors, je continue. Je disais que non, Pimondou. Si vous l'utilisez pendant longtemps, à un moment donné, ça ne va plus marcher. Vous allez commencer à les verser dans votre crème. Vous voyez, ah, c'est quoi, j'ai acheté les faux ou quoi? Oui, parce que vous avez abusé. Vous avez abusé. Vous avez abusé. Vous avez abusé. Donc, Pimondou, c'est sérum. Faut le prendre comme un sérum traitant. Parce que Pimondou, c'est fait à base des acides de fruits. Il faut le prendre comme un sérum traitant. Vous avez problème de taches. Vous pouvez l'utiliser directement sur ces taches-là. Mais ne prenez pas Pimondou, vous le mettez dans votre visage, vous frottez ça sur votre visage pour dire que non, je vais gagner 3 à 4 teintes. Non. Vous allez n'être qu'en train de détruire votre peau. Et surtout, si vous mettez Pimondou et que vous sortez encore sous le soleil, sans pour autant mettre votre crème de soleil, là encore, c'est grave. Là encore, c'est grave. Donc, Pimondou, c'est un sérum pour traiter. Vous avez quand même des taches. Vous avez une tache là qui vous dérange. Vous voulez enlever. Vous prenez juste un peu. Vous mettez sur cette tache là pendant peut-être un, deux mois. Dès que vous commencez à voir que non, il y a une amélioration, vous arrêtez, vous mettez à côté. Ou bien si vous avez besoin de gagner une à deux teintes, par exemple, vous pouvez commencer à utiliser Pimondou. Et puis, dès que vous avez votre résultat souhaité, vous prenez maintenant un sérum qui peut juste comment dire, améliorer votre teint, qui va juste garder votre teint comme ça. Et puis vous arrêtez avec Pimondou. Vous arrêtez avec Pimondou. Donc si vous voulez que je puisse vous conseiller un sérum qui peut garder votre teint, vous pouvez prendre Ami White. Je vais mettre la photo à côté. Ami White, vous pouvez l'utiliser. C'est aussi très bien. Même Pimondou, vous arrêtez. Parce que si vous utilisez Pimondou pendant longtemps, mes amis, ça va arriver à un moment donné que ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Vous allez commencer à vous dire que non, mais j'ai acheté les faux et vous n'avez pas acheté les faux. Vous avez abusé. Vous avez juste abusé. Voilà. Alors, comment utiliser Pimondou? Si vous avez votre crème de 500 ml, j'ai bien dit 500 ml, vous pouvez prendre. Voilà, la couverture que voilà, vous versez, vous mettez deux dans votre crème. Une crème de 500 ml, j'insiste bien, 500 ml. Vous prenez que deux, vous pouvez mettre à l'intérieur. Ça dépend de résultat que vous voulez. Si vous voulez éclaircir, vraiment éclaircir, vous pouvez mettre que deux. Mais si vous voulez juste gagner une teinte, juste un, c'est bon. Mais si vous voulez vraiment gagner deux teintes, vous prenez deux. Vous mettez, vous versez dans votre crème de 500 ml. Voilà. Si vous avez une crème de moins de 500 ml, ne mettez pas dessus, s'il vous plaît. Pas. Il ne faut pas dire que non. Alice, elle nous a dit de mettre des. Je dis bien 500 ml. Et puis, vous utilisez ça pendant une période de 2 à 3 mois seulement. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Carrément, si vous continuez, ça va arriver à un moment donné que non, ça ne va plus commencer à marcher. Ça ne va plus marcher. Vous allez acheter, ça ne va plus marcher. Donc, Pimondou, c'est
un sérum très ton, c'est très ton, ce n'est bien, il ne faut pas l'utiliser abusivement. Et puis, quand vous utilisez piment doux, c'est mieux de l'appliquer piment doux la nuit. J'ai dit quoi? De l'appliquer la nuit. Voilà. Donc, si vous utilisez la journée, il faut être sûr que vous avez mis votre crème solaire. Ne sortez pas comme ça. Oh. Sinon, cancer de peau ici. Ici. Vous savez que détruire sa peau, c'est facile. Hein? Mais quand vous avez des problèmes de peau, pour enlever ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas, vous allez commencer à aller chercher. Curcuma, je cherche ça, je cherche avant, c'est là. Pour protéger votre peau. Moi, j'ai toujours dit que des produits forts comme ça, parce que piment doux, c'est fort. Piment doux, c'est fort. Des produits forts comme ça, il faut plutôt l'utiliser la nuit. Là, au moins, vous êtes sûr que non, le soleil ne va pas vous toucher. Vous êtes votre... Et puis, ça va travailler, même. Ça va même bien travailler par rapport à la journée. Aller sous le soleil, le sueur, tout ça. Donc, voilà. C'est ça, mes amis. En fait, c'était un point que je voulais réellement souligner sur piment doux. Parce que j'ai vu des vidéos, mais on ne parle pas de ça. Voilà. Donc, piment doux, c'est un sérum traitant. Ça vient juste pour traiter. Et puis, à un moment, et puis vous arrêtez. Il ne faut pas utiliser piment doux continuellement. Il ne faut pas l'utiliser continuellement. Parce qu'à un moment donné, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Donc, mes amis, c'était un peu ça mon avis par rapport à piment doux. J'ai vu que dans le reste, les amis, il y a plein de revues sur ça. Les autres ont parlé de ça, mais moi, je voulais juste pointer, c'est là, que piment doux doit être utilisé à une courte durée, à une courte période seulement. Il ne faut pas utiliser piment doux pendant une longue période parce qu'à un moment donné, ça ne va plus marcher pour vous. Ça ne va plus marcher. Vous n'avez peut-être pas acheté des faux, mais vous avez abusé, ça ne va plus marcher. Donc, voilà, les amis, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi une pouce bleu. Partagez pour que ça puisse servir aux autres et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, à chaque fois que je poste des vidéos, vous serez parmi les premiers à être notifiés. Portez-vous bien, je vous retrouve prochainement. Bye!